Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un tour vraiment très sympa à réaliser que vous allez adorer. Vous verrez, c'est idéal en close-up pour tout type de spectateurs, enfants, adultes, tout le monde peut adorer. C'est ultra personnalisable, vous pouvez inventer vos propres routines, faire des gags avec, franchement j'adore. Simple à utiliser, bref, je vous en dis pas plus. Je vous laisse tout de suite avec la démo et on se retrouve juste après pour en parler et même tenter de le gagner à la fin avec un concours. Allez c'est parti. On se retrouve pour la démo, mais avant de commencer, je vais vous présenter un petit accessoire. Donc vraiment, c'est tout magicien moderne se doit de posséder cette petite ventouse. C'est la nouvelle baguette magique du magicien, hein. Je vous explique, très puissante, plus puissante qu'un aspirateur Dyson. Et je vais vous le prouver, regardez bien, on prend une carte quelconque, on prend la petite ventouse, on la met sur on, et si on aspire, ça marche. Fort, hein. Bon, je vous vois arriver, vous dites, ouais, bon, une carte, il n'y a rien de fou hein, avec une ventouse. Moi aussi, je peux le faire. Peut-être qu'avec deux cartes, ça va vous faire titiller un petit peu, regardez bien, on programme. Boum, ça marche aussi. Deux cartes. Ouais, ça reste léger. Plus loin, allez. Quatre cartes, et cette fois, je complique la chose, regardez bien. On va les séparer, comme ceci, les quatre cartes. Là, ça devient compliqué. On prend la ventouse, on ventouse un petit peu. Et si on fait 1, 2, 3, 4, ça marche, les quatre cartes. Là, c'est fort, hein. Vous allez me dire, ouais, c'est bien, elle est puissante, ce que tu veux. Mais bon, des cartes, ça reste très léger. Montre-moi plus. Un paquet. Alors, pas tout à fait la moitié, mais quand même, ça c'est lourd. Hein. On prend la ventouse, on la programme de nouveau, et si on ventouse comme ceci, ça soulève. Je vous ai dit là, la puissance, hein. Ça commence à vous étonner un petit peu, non? Mais je vous vois arriver, la question c'est, est-ce que c'est capable de ventouser le jeu entier? Près de 100 grammes de cartes. Ouais, alors on essaye de la même façon. Et ça passe. Hein. Alors là, vous vous dites, waouh, c'est bien, elle est puissante, très, bon, très forte aspiration. Mais à quoi ça va servir finalement pour faire un tour de magie? Alors, sur le coup, moi aussi la même, je vous dis à rien. Mais en réalité, elle va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'elle est capable de trouver et d'aspirer le nombre de cartes qu'aura choisi le spectateur. Alors, je vous montre. Hein. Imaginons que le spectateur choisisse un chiffre entre 1 et 10. Voilà, on va faire petit au début. Et qu'ils disent, je sais pas, moi, non, là, je prends mon chiffre au hasard, on va dire 6 par exemple. Mais normalement, on aurait pu choisir vraiment, c'est le spectateur qui choisit pour nous. Hein. Il annonce la valeur à la ventouse, donc là, 6. La ventouse se programme, on ventouse le jeu, attrape quelques cartes, et si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, vous vous dites, waouh, pas mal. D'ailleurs, le spectateur pourrait même, à ce moment-là, examiner la ventouse, et nous, on pourrait aller encore plus loin dans le jeu. Hein. Imaginons que cette fois que le spectateur choisisse un chiffre plus grand, pour lui prouver vraiment l'efficacité de la ventouse, imaginons qu'il dise un chiffre entre 10 et 20. Alors vraiment, le chiffre de son choix, on va dire, je sais pas moi, 17. Voilà, 17, un bon gros chiffre, comme ça, ça complique la chose pour vous. 17, on le dit à la ventouse, 17, on programme, on laisse enregistrer ceci, la ventouse se programme, on ventouse le jeu, attrape quelques cartes. Là, on voit nettement qu'il y a plus de cartes, forcément, j'ai dit 17. Si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Pas une de plus, pas une de moins. Alors, pas incroyable tout ça? Mais je me dis que là, bon, ça va, vous dites, ouais, c'est sympa, on peut retrouver à chaque fois la carte en lui disant le chiffre, mais bon, ça reste quand même une indication. On lui dit le nombre de cartes avec le poids, puisqu'on l'a programmé au départ, peut-être qu'elle arrive ensuite à trouver le nombre exact de cartes. Mais je vous propose vraiment une expérience complètement plus folle, plus difficile pour la ventouse, et vous allez voir, très simple pour nous. On fait choisir une carte à un spectateur, librement, vraiment, la carte de son choix. Imaginons ici, la carte, si on veut, on peut la faire signer. Et ce qui est très fort, c'est qu'il faut d'abord la montrer à la ventouse. Alors moi, je ne regarde pas. Hein. Vous la montrez à la ventouse, ici, c'est bon. Vous la voyez aussi, sûrement. Et ensuite, on perd la carte nettement dans le jeu. Alors vraiment, plus honnête, il n'y a pas. Hein. Par la suite, vous prenez la ventouse, vous la mettez par derrière, vous effeuillez le jeu en montrant à la ventouse le jeu. Là, elle repère la carte dans le paquet. Alors vraiment, hein, elle la repère. Elle compte le nombre de cartes à aspirer, on programme, on appuie, on ventouse le jeu, et si on regarde, normalement, elle coupe sur une carte, et je crois que c'est votre carte, la dame de cœur. Et moi je trouve que là, c'est un vrai miracle. Hein.
dans l'histoire. Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura plu. Et pour ceux qui l'auraient deviné, je vais vous parler aujourd'hui du tour The Little Plunger. Alors The Little Plunger, qu'est-ce que c'est? C'est le tour de la petite ventouse. Un tour vraiment sympa, très rigolo, qui peut être personnalisable au niveau de la routine. Comme vous l'avez vu dans la démo, l'effet de base il est simple. Vous présentez la ventouse comme un accessoire moderne pour le magicien, un assistant. Bref, peu importe, c'est vous qui choisissez votre texte après tout. Et vous allez faire une petite expérience en montrant qu'elle est capable d'aspirer un peu tout et n'importe quoi. Et du coup, vous partez sur une routine en trois phases, qui peuvent soit être présentées de manière séparée, soit combinées, et donc créer un petit show uniquement avec un seul tour. La première phase consiste à poser les bases, en fait, c'est tout simplement de montrer que la petite ventouse est capable d'aspirer et de coller n'importe quoi. Et vous faites ça, vous prenez une première carte, deuxième carte, troisième carte, vous augmentez crescendo jusqu'à soulever le paquet entier. Au départ, avec une ou deux, trois cartes, ça paraît normal pour le spectateur. Pour eux, c'est logique. Mais plus vous augmentez, plus vous compliquez la chose jusqu'à aller jusqu'au paquet entier. Et là, on se demande vraiment, waouh, comment c'est possible. La deuxième phase est vraiment très intéressante car forcément, ça va faire participer le spectateur. Dans la continuité de la chose, vous allez tout simplement demander au spectateur de choisir un chiffre tout d'abord entre 1 et 10. Et là, vraiment, le choix est 100% libre. Vraiment, il peut choisir le 1, le 2, le 3. Peu importe, ça fonctionnera. Vous demandez un chiffre à votre spectateur entre 1 et 10. Le spectateur annonce le chiffre. Vous prenez la ventouse, vous ventousez le jeu. Elle attrape quelques cartes. Vous comptez les cartes. Ça correspondra au chiffre annoncé par le spectateur. Et là, c'est fou. Et vous proposez d'aller plus loin en demandant cette fois un chiffre entre 10 et 20. Et de la même façon, le spectateur annonce un chiffre. Vous ventousez. Et de la même façon, la ventouse attrapera le chiffre cité par le spectateur. Et encore une fois, je m'arrête là, mais on pourrait même aller jusqu'à 30 plus et encore plus loin en appliquant toujours la même méthode. Pour finir, la phase 3 consiste à faire une carte choisie, signée ou pas, perdue dans le jeu de façon vraiment clean. Et en fait, tout simplement en ventousant le jeu, la ventouse coupe sur une carte, la carte du spectateur. Vraiment, ça paraît impossible, c'est naturel, facile à faire. Très efficace. Bref, vous l'avez compris, moi je trouve ça vraiment cool comme tour à faire en close-up. Donc voilà, si vous avez un petit peu de temps, vous voulez tenir un petit show pendant 5-6 minutes, et ben voilà, juste avec la petite histoire, une petite ventouse et votre jeu de cartes, vous allez pouvoir faire un petit spectacle, une petite routine vraiment assez longue, comme courte si désiré, en raccourcissant les phases. Mais voilà, vous pouvez faire tenir la routine très longtemps en racontant la petite histoire, faire des petits gags avec vos spectateurs. Vous concentrez vraiment sur la présentation parce qu'au niveau difficulté et manipulation, il n'y a vraiment pas grand chose. Vraiment, la méthode est vraiment très ingénieuse. D'ailleurs, c'est fourni avec une vidéo explicative de plus de 30 minutes en français. La vidéo vous explique la méthode, des subtilités pour varier les présentations, la routine complète, les trois phases expliquer vraiment en détail et plein de conseils et autres pour aller plus loin dans l'utilisation de la petite ventouse. Bref, vraiment, la vidéo est vraiment très complète. D'ailleurs, pour ceux qui possèdent déjà la petite ventouse et qui ne savent pas comment s'en servir, vous pouvez vous procurer tout simplement uniquement la vidéo explicative sur ma plateforme de VOD. Donc voilà, c'est 30 minutes de vidéo vraiment détaillée pour tout savoir sur la petite ventouse. Et ce qui est très fort dans tout ça, c'est que la petite ventouse ainsi que le jeu de cartes peuvent être laissés aux spectateurs à l'examen. Et oui, parce que c'est réalisable avec n'importe quel jeu de cartes. La ventouse est toujours prête, vous l'avez tous sur vous, vous la sortez, vous êtes prêt à réaliser le tour. Pendant le tour, vous pouvez la faire examiner avant, après. C'est vraiment génial. Comme je l'ai dit, très facile à réaliser, pas besoin de connaître de grandes manipulations, c'est adapté pour les débutants. Et les pros, ils peuvent faire des miracles, s'ils ajoutent des techniques, etc. On peut aller encore plus loin. À eux de réfléchir un petit peu avec la méthode, etc. et d'ajouter de la technique, on peut faire, je suis sûr, des vrais miracles. Après, forcément, c'est pas adapté pour du street magique, hein, je vous le dis de suite. Moi, personnellement, c'est pas un tour que je fais, que j'emporte tout le temps avec moi. Tout simplement parce que pour réaliser ce tour, il faut être posé, il faut avoir un tapis. Et ça, on peut pas le faire en condition de street magique ou de cocktail. Mais voilà, si vous voulez un petit tour que vous faites à table de cartes avec un tapis, ben voilà, vous prenez votre jeu de cartes habituel pour faire votre propre tour. Et à tout moment, vous avez votre petite ventouse pour ajouter cette petite routine. Donc voilà, bref, je vais pas vous en parler pendant 2 heures. C'était juste pour vous présenter ce petit tour qui peut être sympa et qui pourrait intéresser certains d'entre vous. Pour ceux que ça intéresse, je vous aurais mis les liens dans la description. Dans la description, je vous mets les liens des deux versions. La version en boîte, donc avec le matériel, vous recevez directement chez vous la ventouse et tout ce qu'il faut pour réaliser la routine. Et la version dématérialisée, donc uniquement la vidéo explicative en français. Ça, c'est pour ceux qui possèdent déjà la petite ventouse, mais qui savent pas comment s'en servir. Vous avez les liens dans la description, je vous laisse aller checker tout ça, rien que pour aller voir le teaser ou autre ou plus d'infos. Et pour les autres, pourquoi pas essayer de le gagner dans ce concours. Et dans ce concours, l'un d'entre vous va pouvoir gagner la version boîte du tour The Little Plunger. Pour participer, c'est très simple, on va faire ça sous forme de tirage au sort comme d'habitude. La première, être abonné à ma chaîne YouTube. La deuxième, liker cette vidéo, donc juste mettre un petit pouce bleu. Et la troisième, mettre un commentaire en bas de cette vidéo. Alors un seul commentaire, pas plus, parce que si vous en mettez plus, vous allez être de suite blacklisté. Il faut remettre un seul commentaire. Et n'oubliez pas d'être abonné et liker, parce que moi, quand je fais le tirage au sort, je coche les cases dans le logiciel pour qu'il filtre en fait les commentaires qui ont
likez la vidéo et sont abonnés à la chaîne. Donc si vous ne respectez pas ces deux règles, vous ne serez pas tiré au sort. Donc voilà, c'est très facile, être abonné à la chaîne, likez la vidéo et un petit commentaire, ce que vous voulez, ce que vous pensez du tour ou n'importe quoi d'autre, et voilà, je participe ou quoi, ce que vous voulez. Moi, ce que je ferai, c'est je fais le tirage au sort la semaine prochaine, donc vous avez une semaine pour participer, et du coup le gagnant sera annoncé la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo ou peut-être dans cette vidéo là, et je mettrai sûrement le tirage au sort en story sur mon compte Instagram. Donc voilà, bonne chance à tous. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram, l'école de magie, www.magistreaming.fr. Voilà, pour tout apprendre gratuitement sur la magie, par les cartes, les pièces et autres. Je vous laisse aller voir tout ça, tous les liens sont dans la description, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.